Bonjour, bonjour mes amis. Mais écoutez, je suis un petit peu plus lente en ce moment, vous voyez, même si vous recevez quand même les vidéos. Là aujourd'hui, je me suis fait un maquillage effectivement dans les mauves. Alors, j'ai acheté pour ce faire la palette de Dior. C'est les derniers maquillages de Dior. Ça se présente à l'intérieur comme ça. Il y a quatre couleurs, donc vous voyez la mauve foncée au milieu, deux roses, un argent et un blanc. Alors, moi j'aimais beaucoup les teintes Dior parce que je trouve que les couleurs étaient chatoyantes et belles. Sauf que maintenant, je trouve que passé mon âge, elles sont trop chatoyantes. Il n'y a pas dans la boîte une seule teinte qui soit mate. Et quand on prend de l'âge, non. On est obligé de mettre un petit peu d'ombre satinée brillante, avec des petits reflets nacrés là, mais on ne peut pas se faire un total look, c'est pas possible. Donc moi je déconseille à partir d'un certain âge les fards à paupières comme ça, qui sont trop irisés, trop nacrés, et qui font un maquillage qui n'est pas naturel d'une part, et d'autre part qui va être marquant. C'est-à-dire qu'on va trop brillant, trop nacré, bah ça fait sortir les imperfections de la peau. Donc non, non, ça j'ai pas du tout, bah j'ai pas aimé. Voilà. Je peux le dire aussi, hein. De toute façon, je l'ai acheté, j'ai pas aimé. C'est comme ça. Vous avez des palettes, par exemple, comme ceci. Alors, moi, la mienne n'est pas très propre, hein, parce qu'elle sert quand même beaucoup, parce que je maquille beaucoup à l'extérieur, quand même. C'est une palette que j'ai dû payer dans les, on va dire, maximum 15 euros, c'était avant Noël, chez Douglas, je crois que c'était. Les ombres paupières sont excellentes. Excellentes. Elles ont des pigments, elles tiennent, elles sont super. Petit prix pourtant, hein. Donc, il y a des leçons à prendre, hein, pour les grandes marques, hein, quelquefois, hein. Le choix des couleurs, bah, on va dire que c'est à peu près le même style, sauf que j'en ai effectivement qui sont beaucoup plus nacrées. Là, j'ai mon argent, mais au moins, enfin, j'en ai pas de nacrées en bas, mais j'en ai une qui est très mate, donc avec lequel je vais pouvoir faire quelques nuances. Alors bon, demain, je vous montre effectivement davantage le maquillage. Là, je suis pas trop disponible. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que vous allez m'excuser, j'ai un petit bonhomme de 2 mois qui est là pour jusqu'à demain soir à la maison. Les parents font une thalassothérapie pour se reposer après l'accouchement. Et il est très sage, il est adorable. Mais je pense que je suis moins rapide que quand j'avais 20 ou 30 ans. Parce que, puis je l'admire, je l'admire. Attendez, si vous êtes grand-mère ou mère, on admire, on passe du temps à admirer. Le temps d'aller me balader, le temps de donner le biberon, de lui changer sa couche, de le coucher un petit peu, il dort pas, je lui fais petit câlin, etc. J'en fais 10 fois plus qu'il me faut des petits câlins, sans doute. Eh bien voilà, la journée se passe et j'ai pas le temps de faire grand-chose. Donc ne m'en voulez pas, je vous assure que de toute façon, je me rattraperai largement. Je vais vous mettre une vidéo demain avec un autre maquillage. Je vous prépare tout ça ce soir pour que vous ayez quand même une vidéo qui est déjà enregistrée sur ma chaîne, mais peut-être que vous ne l'avez pas vue. Je vais la chercher ce soir quand il sera au lit parce qu'il se couche à 10h30. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à vous toutes.